il y a un message que je vous ai envoyé, il y a un signal que je vous ai envoyé, il y a une certaine dose d'espoir aussi pour que deux bandes aspirants activistes qui sont contents à dire « crap, nous voulons beau, amener plus vivant ». Nous avons besoin à dire « expliquez-vous que dans la guerre, il n'y a pas d'impérieur ». Nous avons une période de guerre, nous avons une guerre contre René Route. En guerre contre un système qui de plus en plus peut ressembler à une dictature parce que tout ban institution démocratique pas pénalisé, parlement fermé, l'opposition permanente du gouvernement. Et étant nous mélange tout ça là, pour arriver à comprendre qu'il fait un activiste, comment Jamil, comment Nikki, comment moi, finalement de manière abusive, puis détenu de façon abusive. Et finalement, la justice, même, va nous poser pour suivre nous, avec Jean Millier, je peux dire que ça n'a plus aucun grand poursuivre. Dans mon cas, il n'est pas si tant grave, parce que moi, je n'ai pas dit 3 jours. 3 jours, c'est 72 heures. 72 heures, si vous allez à dormir, pas parce que vous voulez dormir avec vous, vous réfléchissez. Mais par contre, pour un camarade, combien 23 jours. 23 jours. J'ai un petit jour, non. Et je te trouve qu'on a 14. Moi-même, quand je viens de jouer encore, qu'il y a un petit disconfort, maintenant qu'on a 14. Tout ça là, fait moi penser. Et c'est ça qui fait moi plus, va dire, il y a un sentiment révolte. En même temps, mon sentiment libre, mais en même temps, mon sentiment investi à une mission. Parce que ce qui arrive nous, il me disait arrive un parquet du monde. C'est-à-dire, la police, il me disait qu'il frappe zone sans aucune raison. Il fait une bizarre détenir certains sans aucune raison. Mais ça m'a dit que là, à l'époque, partie connue peut-être, qu'ils étaient dans ma réponse. Ils étaient dans les moyens pour la guerre contre le système. Donc aujourd'hui, moi, signal du monde que j'ai envie d'envoyer, c'est qui faire coller, tu comprends qui est dans le groupe. Tout le monde qui a envie de manifester, c'est un droit qui la Constitution donne. Qui a envie d'ouvrir un bon rôle d'un stade, personne n'est pas capable d'empêcher d'exprimer. Ou en faisant une vidéo YouTube, vous faites rire. Tant qu'il ne vous pas mettre un son qui pas bizarre, tant qu'il ne vous pas mettre une parole qui pas bizarre, c'est au droit à l'expression qui vous peut exercer. Mais ça va bien clair. Si tu mets des indécents de mon parlement, pour réclamer un droit, c'est un droit qui la loi, qui la constitution de nous. Et nous avons le droit, nous, à 3 activistes-là, qui nous bafouent, lourdement bafouent. Mais heureusement, nous finissons le soutien, non seulement de la presse, nous finissons le soutien de tous les Mauriciens sur les réseaux sociaux, nous pouvons. Nous finissons ma manifestation qui nous démontrait que ce qui va avec nous, une partie normale. Nous tenions à remercier tous les travailleurs sociaux qui nous soutenir à nous à tout moment. Tout le temps, tout le long du Manu Calvaire. Et on a aussi par exemple Greenpeace. On a 350 points hauts qui fait exprimer dans le Manu de détention. Donc moi en particulier, autant que je me rappelle. Et on a même un avocat en France qui fait écrire la lettre dans le Mauricien. C'est pour vous dire que Dimou connaît ce qu'il nous fait, nous. Et c'est tout le temps juste. La cause était juste. Nous partions pas à faire des autres. Nous partions pas à faire des stades. Et nous partions pas à le retour du vaccin. Chez toi, terroriste. Exact. Moi, mon histoire, dans ce salon de la fait moi pour un autre facette de la société mauricienne. L'incompétence. Et le laisser. Une des raisons qui fait Banabanga poursuivre moi, c'est parce que dans ce cadre-là, à aucun moment, je n'ai pas quelqu'un pour moi avec un drapeau.
Donc, moi, vous dites, ça me permet moi aussi de trouver une partie de l'incompétence du gouvernement. Ça, ce cas-là, qui nous rappelle bien, l'IMSI, le lieu qui déclenche dans la guerre, qui n'a pas finalement à l'histoire de l'Angleterre. Ça, ce cas-là, est dénommé. Ça, ce cas-là, soi-disant, c'est accueillir un grand chef d'État. Et parce qu'il y a un caméra qui peut fonctionner dans cette salle-là. Que ce soit pour prouver que nous sommes tort, que ce soit pour prouver que nous sommes innocents en tant que là, un stade ONN en 2013, parce qu'il y a une caméra, parce qu'il y a une CCTV. Et c'est grâce à ça que nous résistons aussi aux options. Parce qu'il n'y a pas de problème. Soit carrément. Alors ça permet-moi. Déclore sa situation que l'incompétence du gouvernement y a affiché à tous les états. Là, nous trouvons qu'il y a un spectateur qui a dans un stade, je suis sécurisé, n'a pas tiré. C'est moi ma leçon pour le tirer dans sa histoire. Elle m'a leçon pour le tirer dans sa histoire. Et mon roi, il parle. D'un moment, parlons, pas fait aussi que l'opposition va faire ce travail, nous disons un rappel qui le gouvernement. Il a l'obligation de garantir à tout citoyen mauricien sa sécurité, sa liberté et tout ce qui va avec. En tout cas, moi, merci mon Dieu, banane l'augment, l'augment la patte. Et mon corps, je vais réfléchir à des fois avant de trouver moi. Je vais réfléchir à des fois avant de trouver Jamil, avant de trouver Nikin. Oh, non, je ne dis pas. Et moi j'espérais que quand nous avons les autres camarades qui vont aller au semaine, qui vont manifester, là où se trouve le plaisir en retard. Bizarre avec ce système, mon trajectoire avant, après les lames posées. Bizarre avec ce système pour dire, ouais, nous pas connu quelque chose pour mettre nos gens, mais nous mettra toi quand même. Il n'est pas normal qu'il trajectoire 6h tantôt et qu'il assoit 11h à fort les là. Directive sortie depuis la caserne pour dire que nous devons utiliser un drapeau qui nous passe dans la même. Alors, comment je fonctionne la police? Nous tenions à dénoncer. Voilà mon petit histoire. J'espère que ça me fait pour globalement la situation et la façon de la police travaille, les cas de CFL, les cas de. Le dysfonctionnement qui existait dans la police. Et la, comment on peut appeler ça, la dépendance, comment la police fonctionnait comme un bout de téléphone qui sortait ailleurs. C'est-à-dire que pas tout utilisé pour le jeu. On va dire qui faisait un fait, pas faisait un fait. Le drapeau connu dans ce livre, la loi, les autres faits, en aujourd'hui, le pas connu qu'on fait. Voilà. La parole à Maître Erickson Mouyampé. Qui se trouve être la chambre de loi commun à tous. Ok, moi, beaucoup assez bref. Mais avant tout, à dire que moi, personnellement, je trouve l'arrestation du Jamil Berali, des Tchinel et Alain Bertrand comme un jour noir pour la démocratie et pour la liberté d'expression dans l'état de droit. Parce qu'il n'est jamais recommandable d'un état de droit digne de ce nom, avant tout, arrête les Freedom Fighters et arrête les gens qui dénoncent la corruption, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte ou bien les whistleblowers, comme on est ingénieurs. Pour moi, le fait même que la charge qu'on est ingénieurs est à l'avenir. C'est un désaveu de la police qui, dès le départ même, l'action initiale d'arrestation était illégale et arbitraire. Section 12 de la Constitution de Maurice donne chaque citoyen le droit d'exprimer, le droit à l'expression libre. Section 13 de cette même constitution
de chaque citoyen le droit de se rassembler. Le droit de s'exprimer et de se rassembler, c'est un droit fondamental dans un état de droit. Sans ce bon droit et liberté fondamentale, la démocratie est simplement un mot vide de sens. Sans le droit à l'expression et sans le droit à se rassembler, la démocratie n'est pas capable d'exister. Moi personnellement, et avec les autres camarades d'avocats, considère l'arrestation, la détention de Jamel Pirali, de Nitin Chinyen, de Alain Bertrand et les autres camarades qui passent dans le même